Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de map et de mode, plus de map. Je vous montre bien sûr tout ça juste après l'intro. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui sur une présentation de map, bien sûr, de All Stream Farm. Voilà, elle est arrivée enfin sur le mode hub en téléchargement. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Ouais, moi, je suis très, très, très heureux déjà de vous présenter la map, c'est sûr, et d'un premier point, et de vous retrouver, bien sûr, en épisode présentation de map et de mode. J'adore tourner ce genre de petit épisode, donc je ne me suis pas spoil sur la carte. Je vais la découvrir en même temps que vous, juste lâcher quelques trucs histoire de, voilà, à droite à gauche. Plein, plein de belles choses vont arriver sur cette map, bien évidemment. Une grosse série de ma part, bien sûr. Et aussi des petites surprises, voilà, à droite à gauche qu'on vous prépare avec les poteaux. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez, bien sûr, tout ça en temps et en heure voulu. Très belle map, voilà. Donc, du coup, je vais vous la présenter. Du coup, ici, vous avez vu, c'est le dernier plan de vue que vous avez vu. Voilà, donc... j'ai mis le speed player. On va juste, voilà, donc regardez. Donc j'ai acheté quelques usines histoire de voir si ça fonctionnait. Bien évidemment, ça fonctionne. Ici, vous avez la fromagerie, je crois, de mémoire. On va regarder, on va l'acheter. Vous allez voir. Et vous avez vu les bruits. Je vais baisser le son des bruits parce que sinon ça va pas le faire. Donc ici, vous venez ici, hop, R, bien sûr, construire ce bâtiment pour produire laitier. Voilà, donc ici, ben voilà, donc vous avez acheté, voilà, la laiterie. La fabrique de laiterie, oui, Mildmont Dairy. Ouais, c'est juste génial. Waouh, c'est juste génial. Et puis, voilà, ça rappelle de beaux souvenirs. Cette carte-là, elle rappelle des souvenirs juste excellentissimes. Le roleplay Histoire de Famille avec Jérémy et Pascal sur la chaîne de mon poteau JFit Farmer. Bien évidemment, un honneur pour moi, bien sûr, de tourner avec eux ce roleplay qui, je vous rappelle, a fait plus de 200 000 vues. Voilà, donc c'est juste excellent. Si vous n'avez pas vu le roleplay, n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, vous loupez quelque chose si vous ne l'avez pas vu. C'était juste excellent. Petite note aparté, ça nous a vraiment bien fait rire avec mon poteau JFit Farmer, avec Jérémy, parce que Papa Valaisan n'a pas conduit un tracteur du roleplay, quoi. C'est juste un escroc, ce Pascal de Valaisan. On lui fait un gros bisou. Voilà, donc ici, vous avez notre... un point de vente, il y a des points de vente partout. Je voulais vous montrer quand même la concession. Je ne vais pas faire une vidéo très rapide, très longue, les amis. On connaît tous le All Stream Farm. Donc ici, il y a des trucs que je n'ai pas vu encore. Regardez, c'est juste magnifique. La maison, je crois qu'elle s'ouvre. Alors, ce n'est pas celle-là, je vous montrerai tout à l'heure, mais il y a une maison qui s'ouvre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que nous avons ici? Il faut peut-être acheter le coin. Où c'est que je suis? Où c'est que je suis déjà? Alors j'ai du mal à me repérer sur la map. Je sais pas où je suis à chaque fois. Si, je suis là. Donc on va regarder, on va faire terrain. Ici c'est pas à nous, donc on va l'acheter. J'ai mis de l'argent, hein, ne vous inquiétez pas. Mais bien évidemment, c'est les chevaux, je pense. Ici c'est les chevaux. Oui, bien sûr, c'est les chevaux. Regardez, on va juste prendre un poil. Normalement c'est les chevaux. Ouais, c'est les chevaux, c'est les chevaux. Ouh. Ah oui, mais il faut peut-être ouvrir le cabuchon, je sais pas. Le portail, il s'ouvre pas. Alors, comme j'ai le mode... attendez, le mode lévitation, ça me saoule. On va l'enlever. Voilà. Et on va remonter un poil. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Ici, ça s'ouvre. Et ici, normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Ça fonctionne. Oh, Dieu. Mais c'est pas possible, ça. comme quoi, des fois, le mode lévitation, regardez, c'est juste magnifique. Voilà. Le BGA qui est à côté, je vais vous le montrer vite fait. Alors, je vais remettre le mode lévitation parce que... c'est quand même plus simple. Avec le mode lévitation, c'est quand même plus simple. On évite d'accrocher un peu partout. Regardez le BGA, ça se passe de commentaires, les gars. Le BGA, juste magnifique, avec deux gros silos. Je vous montrerai le corps de ferme à la fin. Voilà,
On fait juste un petit tour de map, bien évidemment. On découvre un peu ensemble. Voilà, ensemble. Ici, vous avez, je pense. Alors, je pense. Mais Zero et, a fait une très très belle présentation de cette map. Donc, n'hésitez pas à checker. S'il passe par là, il me dira si je dis une connerie. Bien sûr, ainsi que Black Sheep Modding, bien sûr. Et je pense que vous pouvez construire ici. Vous avez une zone plaçable. Vous pouvez, voilà, améliorer, arranger votre. Ouais, c'est sympathique. Il y a le train. Vous avez vu dans les plans de vue, il y a le train. Il y a des endroits magnifiques. Ici, c'est la Syrie. Voilà, on reconnaît bien. Vraiment, vraiment, c'est une map où on n'est pas perdu. C'est une identité sur farming, que ça soit sur le 15, sur le 17, sur le 19. Voilà, donc sur le 22 maintenant. Là, on a là pour faire de la chaux. On la connaît, cette usine à chaux, bien évidemment. Ici, vous avez d'autres points de vente. Il y a des points de vente partout. Je vous montre, les amis. Vas-y, sauvegarde, fais-toi plaisir. Il y a des points de vente. Il y a le moulin à grains. Il y a Hortenberg. Il y a l'élévateur, bien sûr, à grains. L'orge, c'est pareil. L'avoine, le colza. Vous avez vraiment des points de vente. Le sorgho, partout. Voilà, les olives, les tournesols, tout, tout, tout. Juste magnifique. Magnifique map. Voilà. Et c'est vrai que on l'attendait vraiment, vraiment avec impatience, bien sûr, cette map. Pourquoi ? Ben parce que déjà, il n'y a pas trop, trop de maps qui sortent sur Farming 22. Je dis, il n'y a pas trop de maps. Il y a des maps qui nous plaisent. Voilà. Voilà. Et puis, celle-ci, c'est vraiment une identité de farming. Et ça, ça fait plaisir. Ici, vous avez les belots. Je vais montrer dans les plans de vue. Il y a les petits moutons en pâturage. Ici, regardez. Et j'y vais direct maintenant. Franchement, la map, elle est juste sublime. Voilà, donc je vous fais une petite présentation. Elle est sortie aujourd'hui. J'enchaîne avec la présentation dans la foulée. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me fera plaisir. Merci à vous. Vraiment, la concession qui a été modifiée. Ici, pareil, vous pouvez mettre un bâtiment. Je pense que c'est ces zones-là où vous avez de la terre battue, entre guillemets. Vous pouvez mettre des bâtiments. Je voulais partir un petit peu par là pour voir ce que ça donnait. Ici, il y a un stop. Franchement, c'est juste, juste sublime. Juste sublime. La map est sublime. Voilà, comme à chaque opus. Vraiment de farming, The All Stream Farm. Alors, il n'y a pas le café de mon petit papa valaisan, donc là on est tranquille, on finira par rôti chez Ginette. Voilà, quoique, les gars, tout est possible avec le valaisan, c'est possible. N'hésitez pas, voilà, vous abonner aussi à sa chaîne, ça lui fera plaisir, ainsi qu'à la chaîne de mon poteau Jifit, bien sûr, ça leur fera plaisir, bien évidemment. Ainsi qu'à la chaîne des poteaux, hein, de tout le monde. Bien sûr, voilà. Ici, voilà, souvenez-vous, ici. Alors moi, ce coin, je l'affectionne pas tout particulièrement pour la simple et bonne raison en plus, une map qui est hyper vallonnée. Ici, vous avez voilà, des rangements, des hangars, des rangements, j'ai envie de dire. Et bien évidemment, hors saison, vous avez toujours des outils que vous ne servez pas hors saison. Je pense notamment à tout ce qui est outils de fenaison. Vous pouvez venir les stocker ici, ça au moins, ça, voilà, vous êtes tranquille, c'est à l'abri. Ce magnifique champ, on l'a travaillé. Regardez ici avec les belots, les petits belots. Les petits belots, ils sont bien là. Magnifique aussi, ici, ça a été modifié. Mass et Ferguson, regardez l'identité de cette map. Ouais, franchement, Black Sheep, félicitations et GG à toi. Et bien sûr, félicitations à Zero aussi pour toutes ces présentations. J'espère que tu vas mieux, Zero, et que tout va bien de ton côté. Voilà, il faut vraiment dire que c'est beau. Voilà, il faut vraiment le dire parce que voilà, c'est aussi je pense aussi à Dylan à F16, enfin Dylan à Titou, voilà, où on a où j'ai participé à son roleplay qui était sur cette map là aussi, me semble, de mémoire. Si je fais une connerie, il me contredira, bien évidemment, il me confirmera, enfin il me corrigera. Voilà, les silos, un petit peu on retrouve les silos à l'ancienne. Vous pouvez, voilà, stocker, voilà, ici. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un quai de déchargement. Bon, la stabu des vaches, bien sûr, voilà, vous pouvez la curer. Ici, vous venez l'alimentation. Ça a changé sur le 19, c'était de l'autre côté, souvenez-vous. Voilà, non, c'est joli. Il n'y a rien à modifier sur cette map. Ajouter peut-être des bâtiments, voilà, de mindset, histoire d'avoir des rangements supplémentaires, d'avoir un peu, voilà, peut-être à la rigueur. Mais même pas. Ici, souvenez-vous, c'était pour stocker. Alors, est-ce que c'est pour stocker? Non, c'est pas pour stocker. C'est où pour stocker, d'ailleurs, le grain et tout ça? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais on va le trouver ici. Regardez, j'ai pas acheté, mais
Est-ce qu'on va pouvoir les acheter? Vous croyez qu'on va pouvoir les acheter? Ah purée, ça. Avec le mode évitation, je ne vais pas pouvoir les acheter. Les poules. Je vais enlever le mode évitation. De toute façon, on ne va pas faire plus long, les gars. Parce que cette map, de toute façon, c'est une identité. Et bien évidemment, vous la connaissez tous. C'est vraiment un régal pour moi et une fierté, bien sûr, de vous la présenter. Parce que je kiffe cette map, bien sûr, comme tout le monde. Et c'est même pas vous donner l'envie d'y jouer dessus. Parce que vous aurez forcément envie d'y jouer dessus. Hein. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Et voilà, quoi. Et tout simplement. Et on a hâte, bien sûr, voilà, que les projets, bien sûr, arrivent. Voilà, avec les poteaux, ici, on a la maison, les poules. Les poules, voilà, les poules qui sont. Si vous leur amenez le grain, franchement, les vaches sont là. Regardez, la stabu, ça s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. J'ai pas regardé s'il y avait la lumière. Bien sûr que normalement, il y a la lumière. Ah, c'est sympa ce qu'il a fait là aussi. Est-ce qu'elle s'ouvre ces barrières? Non, je crois que là, ça s'ouvre pas. Ah, c'est un genre de ouais, c'est un genre d'air paillé. Voilà, vous venez ici, vous paillez votre stabulation. Et c'est simple, c'est efficace. Il y a l'histoire. Alors, il y a un mix entre l'air paillé et les logettes. Je vous ai pas montré la salle de traite, hein, mais je vais vous la montrer de suite. Ne vous inquiétez pas, puisque ça s'ouvre ici aussi. Regardez le robot Lely qui est juste derrière. Vous avez accès aussi au robot. Ici, ça s'ouvre pas, c'est dommage, mais. On a accès au robot. Ici, on avait accès aux informations. Est-ce que le robot s'ouvre? Non. Je trouve que Farming, ils auraient pu faire en sorte que les robots s'ouvrent, quoi, bien sûr. Hein. C'est dommage. Hein. Bon, après, c'est comme ça. C'est sympa quand même. Regardez les poupoules, elles sont là. Ici, vous avez un petit cabanon, histoire, voilà, un petit appentis, histoire de. Ouais, c'est magnifique, la déco et tout. Ce bâtiment, ce cabanon-là aussi, on s'en souvient. Waouh, c'est juste. On en prend plein la gueule. Ben voilà le stock, je vais regarder. Regardez si c'est pas joli. Et encore, tout ce que je ne vous ai pas, bien évidemment, montré, les gars, que vous verrez par vous-même. Voilà, la lumière s'allume et la lumière fuit. Voilà, ici, vous avez accès aux moutons, aux petits belots, les cochons. Il y a les poules, il y a les cochons, il y a les moutons, il y a les vaches. Il y a un magnifique environnement. Quand je dis une map, une jolie map, il n'y a pas de jolie map. Il y a des jolies maps, bien sûr, mais pas des maps avec du vallonnement comme ça, des petits champs. Ça manque peut-être, je dirais, peut-être de clôture. Mais bon, c'est pas grave. Vous aurez vu la miniature, c'est sûr. Cet endroit-là, on va se quitter. Magnifique map. Merci du fond du cœur, Black Sheep Coding, pour ton travail. Franchement, GG, bravo à toi. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. C'est 7 Farmer 12, le Geek Play. Je vous souhaite, bien sûr, à tous et à toutes un excellent week-end. Quant à moi. À tout de suite pour de prochaines aventures. Bye bye!